Salam alaikum wa rahmatullah. Alors dans cette vidéo, donc je vais vous le résumé du cours concernant déplacement et anti-déplacement et avec des exercices d'application donc direct. Donc il y a des résumés de le cours avec des exercices d'application. Donc c'est une vidéo intéressante. Donc nous allons le résultat des isométries. Alors quand les isométries conservent les mesures des angles géométriques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a f de a égale à a', f de b égale b', f de c égale c', alors l'angle géométrique, mouche l'angle orienté, l'angle géométrique a, b, c, il a pour mesure égal à l'angle image a', b', c'. Voilà. Donc regardez par exemple, je vais deux isométries, il y a ma translation de vecteur u ou symétrie orthogonale s delta. Je vais 3 points A, B, C, leur image par T, U, A', B', C'. Dans ce cas, leur image par S, delta, voilà, A', B', C'. Donc, l'angle géométrique A, B, C, moi je suis orienté, l'angle géométrique, il est bin 0 ou le pi, le positif, bin 0 ou le pi. L'angle image, je vais A', B', C'. Donc, il y a par exemple alpha, il y a alpha, il y a 2 pi sur 3, il y a 2 pi sur 3. Parce que, في الكافي نتاع اس دلتا كيف كيف اذا هذا اللونغ الجيومتريك هو 2 بي سو 3 دونك اللونغ ايماج باش يكون 2 بي سو 3 سون تونون كونت دو سونس دونك كو سوسوا عندك ترانسلاسيون ولا سيمتر اورتوغونال ولا اي ايزومتري اللونغ الجيومتريك الي كونسيرفي باه لكن كيفك شويه في لي زونغل اورينتي maintenant كي ناخذ لونغ اورينتي اون بي اللي هو بي ا بي سي هذا ليماج دو بي ا بي سي باش يولي je vais aller B' A', B' C'. Donc, je fais des sens, ou des sens, ils ont le même sens. Donc, je relou. La translation, par exemple, conserve les mesures des angles orientés. Vous voyez qu'ils sont dans le même sens. Donc, il y a, par exemple, moins 2π sur 3, il y a moins 2π sur 3. L'axe fait sens, il y a 2π sur 3, il y a 2π sur 3. Prenons le cas de la symétrie orthogonale. Regardons l'angle BA, BC. A au sens interne. L'image de l'angle BABC ou l'angle B'A', B'C'. Regardez son sens. Et vous voyez que les deux angles ont des mesures, regardez, opposées. Donc, il y a des sens négatifs et des sens positifs ou l'axe par l'axe. Par exemple, il y a un sens positif. Donc, il y a moins 2 pi sur 3. Donc, il y a plus 2 pi sur 3 et des sens opposés. Donc, je roule. La symétrie orthogonale, par exemple, change les mesures des angles orientés en leur opposé. Donc, si une isométrie conserve les angles géométriques, donc, elle va conserver les mesures des angles orientés ou bien elle va changer les mesures des angles orientés en leur opposé. Donc, dans le premier cas, cette isométrie s'appelle un déplacement. Dans le deuxième cas, cette isométrie s'appelle un anti-déplacement. Quelle est la définition? Le déplacement au champ, ou toute isométrie qui conserve les mesures des angles orientés. Et l'anti-déplacement, ou toute isométrie qui change les mesures des angles orientés en leur opposé. Bien. Par exemple, nous avons 4 isométries. Il y a translation ou rotation, ou symétrie orthogonale, ou symétrie glissante. En particulier, l'identité, il y a translation de vecteur nul, ou il y a rotation d'angle nul. Aussi, la symétrie centrale, c'est une rotation d'angle pi. Donc, je me dis qu'on a 4 isométries. Et la translation, elle conserve les mesures des angles orientés, donc c'est un déplacement. La rotation aussi, c'est un déplacement. Les symétries orthogonales ou les symétries glissantes sont des anti-déplacements. La symétrie orthogonale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change les mesures des angles orientés en leur opposé. Toute isométrie est la composée au plus de 3 symétries orthogonales. Yani, la symétrie orthogonale est la symétrie orthogonale. La translation ou rotation est les composés de deux symétries orthogonales, ou bien d'axes parallèles dans le cas d'une translation, ou bien d'axes séquentes dans le cas d'une rotation. La symétrie glissante est la composée de trois symétries orthogonales, 2 à 2 parallèles ou 2 à 2 orthogonaux. Donc, il va nous faire une symétrie orthogonale, elle change les mesures des angles orientés en leur opposé. Ça veut dire que S delta change les mesures des angles orientés en leur opposé. La composée de deux symétries orthogonales, elle va conserver les mesures des angles orientés. L'oule est alpha en moins alpha, ou c'est moins alpha, alpha.
La symétrie glissante, puisque c'est la composite de trois symétries orthogonales, donc elle va changer les mesures des angles orientés en leur opposé. Voilà. Donc les translations et les rotations sont des déplacements. Les symétries orthogonales et les symétries glissantes sont des antidéplacements. Mais, alors voyons la composée de deux isométries statiques comme nature. Maintenant, je vous la ressors sur le tableau AD. Donc voici deux isométries F et G. Bon, je suppose que F est un déplacement ou bien un antidéplacement et que G est un déplacement ou bien un antidéplacement. Donc, là, je vous la règle du signe. Laisse vos déplacements à l'affect d'un signe plus ou l'antidéplacement à l'affect d'un signe moins. Donc, il met la règle du signe plus par plus statique plus, moins par plus statique moins, plus par moins moins et moins par moins statique plus, c'est ça. Ben, donc, la composée de deux déplacements, c'est un déplacement. La composée de deux antidéplacements, statique Z, déplacement. Ben, donc, finalement, Chancolo, la composée de deux isométries de même nature est un déplacement. La composée de deux isométries de nature différente, c'est un antidéplacement. Aussi, la réciproque d'une isométrie est une isométrie de même type. Donc, la réciproque d'un déplacement, c'est un déplacement. Et la réciproque d'un antidéplacement, c'est un antidéplacement. Ben, un théorème. Alors, regardez bien ce théorème, c'est un théorème important. Alors, étant donné 4 points A, B, C, D du plan, tel que la distance AB égale la distance CD et A est différent de B, il y a une distance AB différent de 0. Alors, il existe un unique déplacement et un unique antidéplacement qui envoie A en C et B en D. Donc, un de 4 points distincts 2 à 2, A, B, C, D. Alors, il y a une distance min A et B. De C aux distances, mais c'est les D. Où A est différent de B. A, B est différent de 0 pour dire que A est différent de B et par suite leur image, C et D sont aussi différents. Ben, alors, à l'échelle d'une distance AB égale distance CD, entre déplacement ou l'antidéplacement, c'est une isométrie. Donc, c'est une distance initiale, lui on bien les deux points A et B, de C aux distances finales, bien leur image CD. Sinon, l'isométrie n'existe pas par conservation de distance. Donc, il est très il existe un unique déplacement ou bien un unique antidéplacement qui transforme A en C et B en D à l'équipe. La distance initiale AB, que c'est la distance image CD, ou la distance entre les deux points initiaux AB est différente de 0. Ben, donc, nous avons affirmé qu'il va exister. Il a fait un déplacement ouest ou anti-déplacement ouest qui vérifie ça. Donc, ça veut dire qu'il existe deux isométries qui vérifient ce donné-là. Ahnaf, l'isométrie n'est pas définie par la donnée de deux points et leur image, mais elle est définie par la donnée de trois points non alignés et leur image. Alors, deux déplacements ou deux anti-déplacements qui coïncident en deux points distincts sont égaux. Bien. Mais demain, il existe un seul déplacement ou bien un seul antidéplacement. Ça veut dire que ces deux déplacements ou bien deux antidéplacements coïncident en deux points distincts, ils sont égaux. Yani, vous avez F et G, deux déplacements, et A est différent de B. Supposons que F de A est B de G de A. Ou F de B est B de G de B. Ou A et B sont différents. Ça veut dire que F égale G. Donc, on a une remarque sur les colo. Donc, pour montrer que deux déplacements ou bien deux antidéplacements sont égaux, on n'est pas obligé de les caractériser. Tu dois caractériser les deux. Il m'a coincé dans deux points. Je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, l'exemple est d'ailleurs. Ou application, tu as l'impression que tu as deux trois méthodes différentes. C'est intéressant. Je vais les trois méthodes. Regardez. Donc, je suppose qu'on a un carré ABCD de sens direct. O, le centre du carré, et delta, la médiatrice de BC. On veut montrer que S delta rend RO pi sur 2 égale à SBD. Voilà. Montrer que la composée de S delta avec la rotation RO pi sur 2 tactique SBD. Bien. Il y a un seul tariqa, un seul tariqa, ou un seul tariqa, un instable remarque de l'écranier, théorème li fait, et le colloque. Pour montrer que deux déplacements ou bien deux antidéplacements sont égaux, il suffit de montrer qu'ils coïncident sur deux points distincts. Mais dès que je vais l'écran, il y a assez loin de temps à l'écran. Sinon, c'est un peu plus de temps. Regardez la tariqa l'oura. Tariqa l'oura, c'est pour moi que je vais caractériser et je vais caractériser S delta rond R. Mais il y a un résultat qui est la tariqa plutôt qui est l'isométrie. Il y a un résultat qui est je vais composer la rotation en deux symétries orthogonales. Donc regardez.
je conserve S delta, une j rotation d'hier, je les décompose en deux symétries orthogonales. Ben, alors, toute rotation de centre O, par exemple, se décompose, on l'a composé de deux symétries orthogonales d'axes séquentes en O. La décomposition n'est pas unique, l'acte de choix des axes, notre bien, il faut que l'axe choisi passe par le point O. احسن حاجة لاني بطبيعة نختار انهي دروات نختار دروات هذه الاولى مش الثانية نختار هذه بون واحسن حاجة بالنسبة ليا كي نختارها دلتا بور اليميني سو دلتا لا ار اسك سي بوسيبل دو شوازير هنا اس دلتا وي سي بوسيبل كوم فو لوفي دلتا باس بار او اللي هو لو سونتر دو روتاسيون دونك عندنا الحق هنا ناخذ اس دلتا باهي تو نجيو للدروات هذيا ار شنو الكاركتيريستيك نتاع الدروات هذيكا ار الكاركتيريستيك نتاعها هي انو لونجل من الدروات اللي احنا نلوجو عليه دابور سي دروات كي باس بار او واللونجل من الدروات هذيك من الفيكتور ديريكتور الدروات هذيك للفيكتور ديريكتور دو دلتا يزم يساوي الشطر نتاع البي سور دو الشطر نتاع اللونجل دو لا روتاسيون يعني يساوي بي سور 4 دونك شنو هي الدروات اللي تعدى بالاو وتلك اللونجل من الدروات هذيك للدلتا يساوي شطر بي سور 2 وبي سور 4 روكاردي لو سونس مليح فوالا هي لا دروات او Voilà, vous voyez bien que l'angle min, l'angle min, donc je vais mettre la droite OB. Voilà, et maintenant regardez, place Fredé, delta et OB se coupent en haut, delta et OB se coupent en haut, donc tartine bien une rotation de centre O. L'angle de cette rotation est deux fois l'angle élihizna min OB le delta, min vecteur directeur de la droite OB, le vecteur directeur delta. Regardez, n'est-ce pas vecteur directeur de la droite OB, n'est-ce pas OB. Le vecteur directeur de delta ou head, vous voyez que ça c'est dans le sens positif, c'est égal à pi sur 4 fois 2, y a-t-il dans l'angle de rotation, loi pi sur 2. Et on a trouvé le cas, l'angle entre OB et U delta, donc il est congru à pi sur 4 modulo de pi. Donc S delta, non S delta, tatine à l'identité, ça reste quoi? Ça reste S O. B, voilà qui m'appelle S, B, D. Voilà la deuxième méthode. Qu'est-ce qu'on a fait? On a caractérisé S delta en R O P sur 2. Alors, la deuxième méthode. Alors, S delta en R, alors, on remarque que c'est un anti-déplacement. Allez, S delta c'est un anti-déplacement ou R c'est un déplacement. Donc, il y a un anti-déplacement ou il y a un déplacement. Donc, la composée d'un anti-déplacement avec un déplacement, ça donne un anti-déplacement. Je m'attends à un déplacement, je vais mettre une symétrie orthogonale et une symétrie glissante. Ben, je vais prendre S delta en R et je vais chercher les images de deux points pour voir est-ce que c'est une symétrie orthogonale ou est-ce une symétrie glissante. Là, je vais faire un phare pour une symétrie orthogonale par rapport à une symétrie glissante. On suppose l'immédiatrice. Si on suppose que S delta en R est une symétrie orthogonale. Tesla min O le O prime. L'axe obscure la médiatrice de O O prime. Donc, on a l'image de deux points. On trouve les médiatrices se coïncident ou les hadith tariq adatan. Bish nfarq bin symétrie orthogonale et symétrie glissante. Ou bien, tariq okhra, donc taban yata nkolkom. S delta rend R de O. Bon, on a l'image de R de O. Je vais le O. Khatab shim double R. Donc, l'image de O ou O. Donc, S le point n'khter ou O. Donc, tatina S delta rend R de O. Tatina S delta de O. Ou puisque delta passe par O, donc ça va donner aussi O. Mais, même si le point va dire S delta en R, bon, on va dire A, R O pi sur 2, on va dire A ou la B ou la colonne de série natique, R O pi sur 2 de A tatique B, de B tatique C, on dit, mais alors par exemple, R de A, ça fait S delta, alors R de A, R O pi sur 2 de A tatique B. Et S delta de B qui me chauffait à tic C. Mais, donc, quand j'ai dit, je vais dire, oh, il y a un HGB, allez, je vais prendre un point fixe. Le point fixe, c'est élimine la symétrie glissante. Alors, je vais dire, je vais dire, un point, O prime, je dis O prime. Il est différent de O. Mais, je vais dire, point fixe, là, René, donc, je vais faire qu'on colle la symétrie glissante et la symétrie orthogonale. Je vais dire, je vais dire, l'immédiatrice. Quand j'ai dit symétrie orthogonale, quand j'ai dit S delta en R symétrie orthogonale, SD. SD de O égale O prime ou SD de A égale C. Maintenant, l'axe D, puisqu'on est la médiatrice de O O prime, ou la médiatrice de A
Si. Ida la médiatrice y abidha, donc c'est une cime orthogonale. Ida la médiatrice ne se coïncide pas, donc c'est faux, ce n'est pas une cime orthogonale, donc c'est une symétrie glissante. Ben. الحاجة الباهي اللي عملتنا هنا هي شنو هي انه اس دلتا دو او قلناها او عندنا اونتي ديبلاسمون كي فيكس او موان ان بوان الاونتي ديبلاسمون هو سيمتر توكال سيمتر غلسون سيمتر غلسون نا با دو بوان فيكس سيمتر غلسون نا با دو بوان فيكس دونك اذا لقينا ديجا ان بوان فيكس من هنا سافدير عرفنا اللي هي ديجا سي اون سيمتري اور توكال دونك اف ايكال اس دونك اون سيمتر توكال اس دي كيف نلقاو الاكس نزيدو ان اوتر بوان ب كي لقينا ليماج دو ا باغ اكزومبل هنا هي بيدها ا ولا ولات ليماج عن ولات عندنا سيمتر اوتوغونال تزن من او للاو تزن من ا للا دونك هي اس او ا اذا ليماج اذا عرفنا سيمتر اوتوغونال كيما هنا وليماج دو ا هي سي دونك الاكس يولي عندنا اس دي دو ا ايغال سي اس دي دو ا ايغال سي ما تديش تولي دي تولي لا ميدياتريس دو ا سي دونك اس دلتا رو ار هي اس لاكس وباش يكون هنا لا ميدياتريس دو ا سي اور كوم فوي فيغور لا ميدياتريس دو ا سي لا ميدياتريس دو ا سي هي لا دروات بي دي دونك نلقاو مرة أخرى اس بي دي فوالا دونك ورينا اللي اس دلتا رو ار ايت ان اونتي ديبلاسمون يعني هي سيمتري اوتوغونال هي سيمتري غليسونت لو وجدنا ليماج دو او قلناه او دونك تاكدنا اني ماهيش سيمتري غليسونت باش تكون سيمتري اورتوغونال لو وجدنا ليماج دو ا قلناه سي دونك لاكس ولا ميدياتريس دو ا سي اللي اس بي دي ميتنون جو باس على التروزيام ميثود اللي هي تكون اسهل هنا بيه. هنا جو في مونتري كو اس بالطبيعه لي دو ميثود الاولانيين لازم نخدم على اساس ما نعرفش الريزولتا لكن الميثود الاخرانية على اساس نعرف الريزولتا دونك جو في مونتري كو دو سي دو سي دو زونتي ديبلاسمون سون تيغو به اس دلتا رون ار سي ان انتي ديبلاسمون كيما قلنا والاس بي دي او سي ان انتي ديبلاسمون دونك تو فا مونتري كو دو زونتي ديبلاسمون سون تيغو ار بور كو دو زونتي ديبلاسمون سو ايغو اي سوفي كي كوانسيت اون ان اون دو بوان ديستان به هاكا ما نبقاوش نعاودو برشا اس دلتا رون ار دو او قيناها شنو قيناها او و اس دلتا رون ار دو ا قيناها سي بيه تو جو الاس بي دي اس بي دي دو او كوم فو لو فوي حتى هو يعطينا او و اس بي دي دو ا ريغاردي اس بي دي دو ا كيما تشوف هو باش يعطينا زيد سي دونك ليماج دو او بار لي دو زونتي ديبلاسمون هو نفسه او ليماج دو ا بار لي دو زونتي ديبلاسمون هو نفسه سي دونك اون ا دو زونتي ديبلاسمون كي كوانسيت سور دو بوان ديستان اللي هما الاو والا دونك سي دو زونتي ديبلاسمون سون اي جو Et donc, S delta rond R est aussi égal à S B D. Voilà. Donc, il y a trois méthodes pour répondre à cet exercice. Une méthode, l'assalie, application de la théorème que nous avons fait. Si deux déplacements ou bien deux antidéplacements coïncident sur deux points distincts, alors ils sont égaux. Bien. Alors, on passe maintenant. Donc, on a un déplacement, des déplacements en bas. Donc, on a un déplacement wahdou, ou bien on a un anti-déplacement wahdou. Aïe, haja, qu'on a une propriété, trois déplacements, des déplacements. On a un déplacement, on a une propriété, trois déplacements. Ben, on a un déplacement. Alors, on a un angle d'un déplacement. Donc, tout déplacement possède un angle. بالنسبة للونتي ديبلاسمون مش باش نحكيو على لونغ دونك ما عندوش اونغ بعديك الوغ اف ايت ان ديبلاسمون سوا اف ان ديبلاسمون اي ا اي بي دو بوان ديستان اف دو ا ايغال ا بريم اف دو بي ايغال بي بريم دونك عندنا ان ديبلاسمون اف عندي ا اي بي دو بوان ديستان ديماج بار اف ا بريم اي بي بريم لونغ دو ديبلاسمون اف اي تو سامبل هو لونغ بين ا بي و ا بريم بي بريم هو لونغ بين فيكتور والايماج نتاعو دونك شفنا في الكور اللي سيت اونغل ne dépend pas du choix des points. Yani, il y a l'image de A qui est A', ou l'image de B qui est B', ou l'image de C qui est C'. Quelle est l'angle du déplacement F? L'angle bin A, B, A', B', bin A, C, A', C', bin B, C, B', C'. Quelle est l'angle du déplacement? L'angle du déplacement. Qui m'a trouvé la rotation? Entre un vecteur et son image. Ben, un déplacement d'angle nul est une translation, un déplacement d'angle non nul alpha est une rotation d'angle alpha, bien sûr.
Si on suppose que f est une translation, qu'on voit a en a' et b en b'. Il est tu de a égale a', tu de b égale b', donc le vecteur ab égale le vecteur a'b'. À ce moment-là, l'angle entre le vecteur dimensionnel est nul. Donc, la translation est un déplacement d'angle nul, angle 0, 0 modulo 2π. La translation, c'est un déplacement d'angle nul. La rotation d'angle alpha est un déplacement d'angle alpha. Et réciproquement, tout déplacement d'angle nul est une translation, tout déplacement d'angle non nul alpha est une rotation d'angle alpha. Voilà. En particulier, l'identité. L'identité, quand tu as la translation de vecteur nul, donc l'angle n'est pas nul, quand tu as la rotation d'angle nul, aussi l'angle n'est pas nul, donc fait quoi l'identité est un déplacement d'angle nul. La symétrie centrale SI étant une rotation d'angle alpha, donc c'est un déplacement d'angle alpha. Voilà. Remarque. Mais je regarde les points fixes, très comme le mal, je me l'ai dit. Un déplacement qui n'a pas de point fixe. Alors, si un déplacement n'a pas de point fixe, on a un déplacement, il y a une translation, il y a une rotation. Alors, la translation, quelle est l'identité? Il y a une translation de vecteur nul, tout point il est fixe. Quelle est différente de l'identité? Donc, elle n'a aucun point fixe. Rotation kif-kif, HT. Quel angle n'est pas nul, l'identité, donc tout point il est fixe. Quel angle n'est pas. Quel est différent de l'identité, donc l'angle n'est pas non nul, donc elle a un seul point fixe. Ben, donc, je trouve un déplacement qui n'a pas de point fixe. Le déplacement qui n'a pas de point fixe est une translation. Translation, les translations de vecteurs non nul, ma translation différente de l'identité. Voilà. Un déplacement, il est ma douche point fixe. Il est déplacement ma douche point fixe. Automatiquement, c'est une translation différente de l'identité. Maintenant, si un déplacement possède un seul point fixe, A, un point seul fixe, donc c'est une rotation. Est une rotation de centre A. Voilà. Mais, je suis acceptable. On a le déplacement à douche point fixe. Il a le déplacement à un seul point fixe. Maintenant, si un déplacement possède au moins deux points fixes, si un déplacement possède au moins un point fixe, il a un point fixe. Mais j'aime une translation différente de l'identité. Non, mais j'aime une translation différente de l'identité. Il m'a dit point fixe. Mais j'aime une rotation différente de l'identité. Mais j'aime une rotation différente de l'identité. Il y a un seul point fixe. Donc, je vais mettre le hit. هو انه ليدونتيتي باه مليح في ليزومتري بكري شكون قلنا سي اون ليزومتري بو سي 3 بوين فيكس نون اليني اذا تعرف في ليزومتري ما تعرفش ديبلاسمون لونتي بلا تعرف كاين ليزومتري اذا عندها 3 بوين فيكس 3 بوين فيكس نون اليني هي ليدونتيتي ميتنون اذا تعرف انه ريبليكاسيون تاعك سي ان ديبلاسمون وتعرف اللي فما او موان دو بوان فيكس ما تعرف اللي اف دو ا ايغال ا و اف دو ما تعرفش على الاف دو سي اف دو ما تعرف حتى شي تعرف اف دو ا ايغال ا و اف دو بي ايغال بي اذا عندك ديبلاسمون وعندك اف دو ا ايغال ا وعندك اف دو بي ايغال بي و اي بي سون ديستان اوتوماتيكمون اف هي ليدونتيتي اذا ديبلاسمون عنده على الاقل دو بوان فيكس باش يولي اوتوماتيكمون هو ليدونتيتي باه تابو ليكزيرسيس هذا اخترت ليكزيرسيس دابليكاسيون ديريكت لكن به فيه كما تشوفوا انه نختاروا دي ديفيرون كا هذا الباهي شوف هنا قاش مكا 6 كا باش هكاك مره اخرى اي كا باش يعرضك تكون تعرضت له باه علاش يحكي لك زيس هذايا بون هنا عطيتكم فيغور باغ اكزومبل ان كاري ا بي سي دي دو سونتر او فوسي لو سونس الو لو سؤال هو كاركتيريزي لو ديبلاسمون اف اف ان ديبلاسمون راك تشوف اف ان ديبلاسمون اون فو كاركتيريزي اف دون شاكان دي كا سويفون بالطبيعه بدلت لي كا كل واحد تشوفهم مختلفين Donc, le molars, la rubrique, cet exercice, c'est la suivante. Comment caractériser un déplacement par la donnée de quoi? De deux points. Mouche composé, S delta, rang, manarachino, non, non. C'est par la donnée des images de points. Donc, il y a les images de points, comment vous caractérisez? Peut-être bien, un qui est très tenu, ma distance. Mais je suis conforme au déplacement qu'on voit A en B et B en D. Ils ont une distance initiale, il y a distance image qu'on a bien. Donc, il y a une distance AB, tu sais, une distance. AB, B, 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 B
حبيت نحط بيج اي خلني قلت ان بي نمشيو للاخرين تو نرجعو لهذيك نوز الثانيه ا بي ايكال سي دي بي اتو كل مره نوصلها اتو نقولها نبداو بالاولى بو هاك جاوبت عليها انا جيت حطيتها كوم بيج هنا حطيت اف دو ا ايكال بي واف دو بي ايكال دي كاركتيريز سو ديبلاسمون اي بان سو ديبلاسمون تو سامبلومون نيكزيست با خاطر ديستونس ا بي هنا روغاردي لا ديستونس ا بي وشوف ديستونس بي دي هنا لا ديستونس ا بي اي ديفيرون دو لا ديستونس بي دي ديستونس ا بي اي ديفيرون دو ديستونس بي دي دونك اف نيكزيست با الور اي نيكزيست اوكان نيكزيست با اي نيكزيست اوكان ديبلاسمون كي اونفوا ا اون بي اي بي اون دي دونك سا سي امبوسيبل تفرح كي هنا بيه عادي وكا الثاني لو كنت قادي هنا ديستانس AB إيقال ديستانس CD ديستانس AB إيقال ديستانس CD دونك إل إكزيست والAB ديفرنس لو دونك إكزيست أن سول ديبلاسمون كي فيريفي سا بيه أر كومون كاركتيريزو الديبلاسمون ألور خذوا قاعدة دونك كاركتيريزي أن ديبلاسمون سي بار سون لونغل فوالا سي فو فولي كاركتيريزي أن ديبلاسمون فو كالكولي لونغل كي لقيت لونغل إلي كونغرو أ زيرو موديلو دو بي دونك سي أون ترانسلاسيون Quand Peter l'angle MTAC il n'est pas congru à 0 modulo de pi, donc c'est une translation. On va dire qu'il y a les éléments caractéristiques. Donc, on va dire que l'angle du déplacement F. Et l'angle bin vecteur, ou l'image MTAC. Donc, on a l'angle bin le vecteur AB et son image ou CD. Regardez la figure et regardez cet angle. Regardez l'angle AB et l'angle CD. Ce sont deux vecteurs opposés. A, B et C, D. Donc l'angle de la ratio est là, pi modulo de pi. Alors, si un déplacement a pour angle pi, donc il est différent de 0, donc c'est une rotation d'angle pi, ou la rotation d'angle pi, plus précisément, c'est une symétrie centrale. Mais, je colle S oméga. Maintenant, je vais aller à le centre, tant que là, mais, quand je suis là où je centre, et bien, il suffit de choisir l'image d'un point. Donc, on a l'image de A égale C ou l'image de B égale D. عندك f de a égale c donc le centre de la symétrie centrale ou le milieu de a et c on a f de b égale d centre ou le milieu de b et d donc c'est quoi la halette ou s o car donc f de a égale c donc il faut qu'on a un point mais cherche le centre de la symétrie centrale dans le cas est Alors, f de a égale b, f de b égale c. Regardons distance AD ou le BC. La distance AD égale distance BC. Donc, comment on oublie Donc, kif, on cherche l'angle de FE. Ou l'angle bin vecteur. Ou l'image vecteur bin AD ou BC dans ce cas-là. Bin AD et BC. Je vous figure, je vous fais l'angle bin AD ou le BC. AD et BC sont deux vecteurs égaux. Donc, l'angle bin est 0 modulo. De pi, ça veut dire que f est une translation. Mais, on va changer le vecteur, je crois le car. Bah, je n'ai pas le vecteur de la translation, qui est pas l'image d'un point. Donc, on a f de a égale à b, مثلاً. Donc, l'angle de translation, le vecteur de la translation, le vecteur ab ou le dc. Donc, f de a égale à b, on a une translation, tu amènes a, l'île b, donc le vecteur de la translation, ou ab. On passe à quatrième cas. دونك هنا f دو ا يقال ا و f دو بي يقال ب ار f دو ا يقال ا و f دو بي يقال ب مش فوق نخمو برشا عندنا ديبلاسمون باش تقتلوش في لونغل وتقول لونغل زيرو دونك هو ترونداسيون وتزدا من ا ل ا سي ترونداسيون دو فيكتور نو دونك هو لي نو ديريكتومون نقول اون ا ان ديبلاسمون f ايت ان ديبلاسمون كي فيكس او موان دو بوان ديستان On a si un déplacement fixe au moins deux points distincts, alors automatiquement F a l'identité. Voilà. Et dernier cas. F de A égale B ou F de B égale C. Donc il faut vérifier que la distance AB égale distance BC. Vous voyez bien que la distance AB égale distance BC. Donc, l'angle de F est l'angle entre le vecteur AB et son image ou BC. L'angle entre AB et BC. Alors l'angle entre AB et BC, donc l'angle entre BA
BC plus pi modulo de pi. Alors, regardons l'angle BIM BABC. Donc, BABC, hasb le sens. Donc, BABC vaut moins pi sur 2. Moins pi sur 2 plus pi. Donc, il y a le moins pi sur 2 modulo de pi. Alors, un déplacement d'angle non nul. Un déplacement d'angle non nul, c'est une rotation. Mais l'angle de la rotation, on le connaît. Il y a pi sur 2. Donc, c'est une rotation d'angle. Je regarde centre, et bien le centre d'une rotation, tu as l'objet des images de deux points, on a l'intersection des médiatrices. Donc le centre ou l'intersection de la médiatrice de AB avec la médiatrice de BC. Regardez la médiatrice de AB, la médiatrice de BC, il se coupe le centre du carré, il y a le O. Donc c'est une rotation de centre O, bien écart le point O, mais c'est le O qui m'a dit l'intersection de la médiatrice de A. B avec la médiatrice de BC. Bien. Alors, dernier cas, F de A égale à A ou F de B égale D. Donc, on a une distance initiale AB égale distance AD. Bien sûr, distance AB égale distance AD. Bien. Alors, l'angle de F et l'angle entre le vecteur initial, donc AB, ou l'image interne, ou A, D. Regardons l'angle BIM A, B, A, D. Donc entre A, B, A, D, comme vous voyez, c'est un carré. Donc on voit pi sur 2. Et congru à pi sur 2 modulo de pi. Alors un déplacement donc non nul pi sur 2. Donc F est une rotation. Alors d'angle, on est pi sur 2. Mais, alors, centre, je vais bien avec F de A égale A, donc directement centre ou A. Donc, on a une rotation donc qui fixe le point A, donc centre ou A, bien sûr. Mais, quand je me dis que c'est un peu comme l'angle, je trouve que un déplacement qui fixe au moins un point, il y a le A. Alors, si le déplacement fixe au moins un point, il y a même un A ou le seul point fixe qu'une rotation de centre A, on a une identité. Alors, puisque F de B égale, donc j'ai une identité, donc il y a une rotation de centre A ou l'angle de B ou AB, AD. Bien. Alors, on va passer maintenant au paragraphe suivant. Il y a un théorème. Bien. Alors, regardez ce théorème, je crois que. Alors maintenant, on va voir les composés des déplacements fait bas. Il y a composé de deux rotations, de deux translations, d'une rotation, d'une translation. Ben, le composé de deux translations, à la fois, c'est une translation de vecteur lasso. Voyons maintenant le composé d'une rotation avec une translation, le composé de deux rotations. Ne veut le composé d'une rotation avec une translation. Ben, revenez une rotation de centre I ou d'angle alpha, alpha non nul. Bien, pour l'angle alpha nul, pour dire que R n'est pas une. N'est pas l'identité. Et maintenant, c'est le R, mais c'est l'identité. Sinon, je t'en dis automatiquement une translation. Donc, une rotation différente de l'identité. La composée avec une translation, ça donne toujours une rotation. Donc, si vous avez une rotation d'angle non nul, ça composée avec une translation, ça donne une rotation et de même angle. Tout bien. Allez, je rate rotation, c'est un déplacement d'angle alpha. Ou translation, c'est un déplacement d'angle nul. Donc, étant le composé. Bon, ça m'a dit que je vais vous donner un peu de composé de déplacement. Donc, supposons que F est un déplacement d'angle alpha et G un déplacement d'angle bêta. Alors, F en G est un déplacement d'angle lasso alpha plus bêta, où le F moins 1 c'est un déplacement d'angle moins alpha. La réciproque d'un déplacement d'angle alpha est un déplacement d'angle moins alpha. La composée de deux déplacements est d'un déplacement d'angle la somme des angles. Donc, donc, il y a des déplacements d'angle alpha ou des déplacements d'angle 0. Donc, tu as la composée un déplacement d'angle alpha. Tu as un centre, mon choix, but, c'est un autre centre. Maintenant, la composée de deux rotations. La composée de deux rotations, attention, n'est pas une rotation. Ça dépend du somme des angles. Il y a des déplacements d'angle alpha ou des déplacements d'angle alpha. Donc, la composée, c'est un déplacement d'angle alpha plus bêta. Il y a alpha plus bêta, tu as 0. Donc, c'est une translation. With alpha plus bêta, tu as différent de 0. Donc, c'est une rotation d'angle alpha plus bêta et d'angle et de centre un point
اوميجا. فوالا حتى بعد نشوفوا كيما كيما قبيل. دونك دي تاك تشوفوا هنا بالكابل تاع تشوفهم 1 2 3 4 بعديك اتسيترا. مي شوفوا دي كومبوزي ديفيرونت تاعنا الشغل. مي الو اتونسيون رد بالكم الجمله هذه. راه ما تقولش ار رون ار بريم اي لا كومبوزي دو دو روتاسيون دونك سي اون روتاسيون. حتى هي بالحق روتاسيون ما تقولش الجمله هذيك. قالت اون فوا تقول ار رون ار بريم اي لا كومبوزي دو دو روتاسيون دونك سي اون روتاسيون. جمله اصلا غالطه. La composite de deux rotations n'est pas toujours une rotation. Voilà, je trouve le hajem fini. Alors, hajem fini, je n'attends que je fasse l'exercice. Donc, je ne trouve pas. Mais, t'as dit l'exercice là. Berlin a dit un carré ABCD de centre O. N'est I le milieu de BC ou J le milieu de C et D. Il faut caractériser F dans chacun des cas suivants. Ben, ne me double pas le lien, c'est bien. Alors, F n'est je n'ai R O P sur 2 rond R B. C'est la composite de deux rotations. بي كيما باش تقول لا كومبوزي دو دو روتاسيون بستعمل القاعده اللي كنا نقولوا فيها لازم تقول الجمله بالطريقه هذه. ما تقولش اف لا كومبوزي دو دو روتاسيون دونك سي اون روتاسيون سي فو. تقول اف لا كومبوزي دو دو روتاسيون تيل كو لا سوم دي زونغل ايغال بي سور 2 بلس بي سور 2 ايغال بي مودولو دو بي دونك سي اون روتاسيون. معناتها ما تقول دونك سي اون روتاسيون الا تحكي على السوم دي زونغل. دونك الفيرسيون الاولى F est la composite de deux rotations telles que la somme des angles est pi sur 2 plus pi sur 2 égale pi, congru à pi modulo de pi, donc c'est une rotation. Mais quand je veux dire la composite de deux rotations, ou la composite d'une rotation, d'une rotation, je dis que les déplacements sont les mêmes. Donc je vais vous dire que je vais dire rotation, F est la composite de deux déplacements. Donc c'est un déplacement. C'est un déplacement d'angle. Donc la somme des angles est pi sur 2 plus pi sur 2 qui est congru à pi modulo de pi. Voilà. Donc, je vois là. Voilà, f est un déplacement d'angle pi. Un déplacement d'angle pi différent de 0, c'est une rotation. Donc, f est une rotation d'angle pi. Mais, et plus précisément, une rotation d'angle pi, c'est quoi? C'est une symétrie centrale. Alors, je vais mettre le centre de l'image d'un point. Alors, je vais mettre un point convenable. Ah bon, là, je vais mettre le point d'image, le point fixe de l'image. Je vais mettre l'image de B, par exemple. Ben, R, B, pi sur 2 de B, ou B. R, O, pi sur 2 de B. R, O, pi sur 2 de B. Vous voyez que c'est C. Ben, donc, ça m'est bon, ça m'est oméga, là, pour le moment. Donc, le centre oméga, je suis allé. Il a F de B égale sur le milieu de B. Et c'est yani huwa i. Et donc finalement, je saute là une F, la F symétrie centrale de centre i. Voilà. Et là, F est la composée de deux rotations. Kif kif. Mais, comme une F slaké. F est la composée de deux déplacements. Donc F est un déplacement. Donc la somme des angles, yani pi sur 2 plus moins pi sur 2 n, elle est congrue à 0 modulo de pi. Donc f c'est quoi? F c'est une translation. On a un déplacement d'angle nul, donc c'est une translation. Comment trouver l'angle, le vecteur de la translation? L'image d'un point nerf de kif kif b, f de b ou r b moins pi sur 2 de b, yani ou r o pi sur 2 de b. R, O, pi sur 2 de B, regardez, on a C. Or, F de B égale C. Donc, F, c'est quoi? C'est la translation du vecteur B, C. Voilà. Mais. Jules Cassix. F égale à R, O, pi sur 2, rond T, B, C. Déterminer d'abord F de A. C'est ce qu'on va faire. On va faire F de A. Mais F de A, c'est quoi? F de A, c'est R, O, P sur 2, rond T, B, C de A. Donc, je vais faire T, B, C de A. Regardez la figure. L'image de A par la transition de vecteur B, C. Je vais faire le point D. Je vais faire le point D. Je vais dire F de A, c'est R, O, P sur 2, de D. R, O, P sur 2, de D. R, O, pi sur 2 de D, je fais sens positif, article point A. Voilà. Donc, je connais l'image de A. Donc, à l'écart, je connais déterminer F de A. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Mais,
Kif kif. Y'a ma troll F est la composite d'une rotation et d'une translation, donc c'est une rotation de même angle que l'angle de la rotation. Voilà, khalnef déplacement. F est la composite de deux déplacements, donc c'est un déplacement d'angle. La somme des angles. R c'est un déplacement d'angle pi sur 2. Ou translation c'est un déplacement d'angle 0. Donc tatine la somme égale pi sur 2 modulo de pi. Donc on a une rotation, on a un déplacement d'angle pi sur 2. Un déplacement d'angle pi sur 2, c'est une rotation d'angle pi sur 2. Le centre peut bien mettre ma pina f de a égale à a. Donc le centre ou a yati sahaki awanane. تنشوف في حال اخرى مش باش يعاوننا به كاتريامون اف ايجال اس جي رون ار او موان بي سور اس جي تون سيمتري سنترا كي العاده نقولوا اف ات ان ديبلاسمون دونك لا سوم دي زونكل به ار اس جي هو سيمتري سنترا دونك سيت اون روتاسيون دونكل بي دونك سيت ان ديبلاسمون دونكل بي بلس RO moins pi sur 2, c'est une rotation d'angle moins pi sur 2. Donc, c'est un déplacement d'angle moins pi sur 2. Donc, nous avons pi sur 2. Voilà. Donc, F, c'est quoi? C'est une rotation d'angle. Il y a un pi sur 2. Ben, il y a un centre. Alors, qu'est-ce que le centre? Ben, là où j'ai l'image d'un point. Alors, qui quitte l'image d'un point, f de a égale à a, et bien, tant mieux, on a gagné, donc avec le centre. Quand on a gagné, 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 on a par exemple, je vais faire, bon, R, je vais faire RO moins PC, je vais faire le point, par exemple, D. À quoi est égal f de D? Ou SJ rend RO moins PC sur 2 de D. Donc, je me donne là où SJ de quoi? Je me donne là où j'ai RO moins pi sur 2 de D. J'ouvre la figure. RO moins pi sur 2 de D. RO moins pi sur 2. Donc, il y a des sens positifs. Donc, RO moins pi sur 2. Je suis censé aller l'axe. RO moins pi sur 2. Donc, il y a là, maintenant, le point C. Mettre là C. Mais. Alors, SJ de C. Maintenant, je change la figure. Alors, SJ de C. Le symétrique de C par rapport à J. Regardez le symétrique de C par rapport à J, le point D. Donc vous voyez bien là que F de D, D, et ça, ça veut dire que le centre de la rotation, donc F, c'est la rotation de centre D et d'angle pi sur 2. Voilà. L'inti bon, hit bi d, tawana, bon, d, voici une autre méthode. Bon, je hâte à mouchkle. Marftouch d, et ben voici la méthode générale. A étabam, mais je cours. Abcham, identification. Yann, on pose oméga le centre de la rotation. Donc, je n'ai pas fait la rotation, on a fait l'angle mtaha, pi sur 2. On suppose que le centre ou oméga. Ben, alors. بون تختار اي بوان تحب عليه سيتي ما تحب دي طلع هو بي دو دي انا غني طلع بوان واحد اخر مش فوالا باغ اكزومبل نختار ا سيدي اف دو ا بر مشيت معاك اف دو ا هو اس جي اس جي رون ار او موان بي سور دو دو ا دونك ار او موان بي سور دو دو ا ريغاردون ار او موان بي سور دو دو ا ار او موان بي سور دو دو ا ار او موان بي سور دو دو ا يطلع دي اس جي دو دي شنو يطلع اس سي دونك فينالمون اف دو ا باش نعمل هنا هو هو السي بي فوالا هو السي ها هو طلع شو بيدو سي دو سي دو اش عملنا فيه اش عملنا فيه يبقى نكتب ار اوميغا ما قلنا اوميغا خلي اوميغا ار اوميغا بي سور دو لونغ اللي كنعرفوه دو ا طلع شنو طلع سي اكتب ديفينيسيون تاع روتاسيون سينيفي لا ديستونس اوميغا ا ايغال اوميغا سي واللونغ اوميغا ا اوميغا سي ايغال بي سور دو امشي الفيغور شوف انا لو بوان كي فيريفي اوميغا ا ايغال اوميغا سي نعم نحاول ندير الفيديو هنا في صافي التقرير هذا ال هذا ال بي هذا ال سي هذا ال دي فوالا بي شوف لو بوين كي فيريفي اوميغا ا ايغال اوميغا سي سا اوميغا ا ايغال اوميغا سي هذا موجود على الميديتريس دو ا سي موجود على الميديتريس دو ا سي هذه فوالا دونك نجم نخمو في الدي نجم نخمو في البي بي
Et tel que ce point vérifie oméga A, oméga A, A, oméga C égale epsilon 2. N est le point parmi D et B qui vérifie oméga A, oméga C égale epsilon 2. D, regardez, DA, DC, ou plus epsilon 2. Je suis allé temps mort. On trouve donc oméga égale à D directement. Tu montres que D vérifie ce que vérifie oméga. Donc je trouve que or DA, oméga BD tout simplement, or DA égale DC, c'est. Et l'angle DADC, DADC égale pi sur 2. Donc par identification, on peut faire une identification, et mettre avec 2, et nous, il y a 20, ça donne un seul point. Vous avez dit, il y a des barques, ou il y a des barques, ou il y a donc D égale à oméga L. Moi, je dis, c'est le seul point qui vérifie ça. Alors, bah, donc il y a un seul point, donc oméga, ou D. Donc, quand quitte l'image de D ou D, tant mieux. Maintenant, je t'aime l'identification. Sinon, là, je t'aime l'autre chose. Il faut traiter l'image d'un point, traiter l'image de deux points, ou t'aime l'intersection des médiatrices, comme c'est normal, mais c'est le centre de la rotation. Voilà. Mais, quand même, là, les déplacements. On va passer maintenant aux antideplacements. Bien. Alors, ah, excusez-moi, l'antideplacement. Ah, ouais, ça, le château, la quelle met angle net. Le déplacement, il a quoi le déplacement, je t'ai dit, là, donc, il n'y a pas d'angle. Ben, je vais vous dire que l'antiplacement, je vais vous dire que l'asymétrie descente, ma femme, je vais vous dire. Ben, l'antidéplacement, il y a une symétrie orthogonale, il y a une symétrie glissante. La symétrie orthogonale, un axe, son axe, ou pour l'ensemble des points fixes. La symétrie glissante, on n'en a pas de points fixes. Ben, la symétrie glissante, c'est quoi? Il est composé d'une translation avec une symétrie orthogonale telle que U, qui m'a toujours figure, est un vecteur directeur de delta. Dans ce cas, la composée est commutative, tous les TU rend S delta égale à S delta rend tout TU, avec ça, la forme réduite de la symétrie glissante. Donc, la forme réduite et le composé, il est identique les éléments caractéristiques comme l'axe ou le vecteur. Mais, alors, il y a une fédération de l'isométrie, il écrit un uartique composé. Uartique composé, on peut montrer que c'est une symétrie glissante. Donc, on décompose la translation, ça en deux translations, on décompose la rotation en deux symétrogonales, taf, 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 la forme réduite. C'est la tariqa. Et les cadines, on fait dans ce délire, vous voyez que la thème de voir les images des points. On dit que f de a égale à b, f de c égale à d. Il y a des déplacements, il y a des champs, il y a des déplacements, les images de points. Ben, c'est ce que je fais les exercices, il est fait tout. Ou je suis cherche les exercices, je suis en train de me faire une figure. Ben. Alors, regardez ce théorème d'abord, et je suis en train des éléments caractéristiques de la symétrie glissante. Ben, ouais. Ben, regardez, vous avez la symétrie glissante, vous avez delta à l'axe, ou U vecteur directeur de delta. Vous avez un point M, là où je l'image de par, maintenant, vous dites, non, je mets de bel habit, vous dites le S delta, ah, plan M1. Bad, là où je l'image de par, TU, plan M. Donc l'image de M par la symétrie glissante F ou M prime. Mais je calque une note à l'oule. Si F de M égale à M prime, si F de M égale à M prime, le milieu de M prime appartient toujours à l'axe. Qui m'a-tu fait? Tu vas dire, c'est essentiel, c'est un théorème du milieu. Un triangle. Regardez. Un milieu. Tu vas dire, parallèle. Le vecteur est ou un parallèle. Mais donc le segment qui passe par le milieu d'un côté et parallèle du deuxième côté, couple le deuxième côté en son milieu. Ben, donc, il y a l'image de A égale à B, il y a l'image de A égale à B, alors le milieu de A et B appartient à l'axe. Ben, il y a une stable fait, je l'axe. Il y a une image de deux points, F de A égale à B, maintenant, ou F de C égale D. Il y a F de A égale à B, donc l'axe passe par le milieu de A et B, ou il y a F de C égale à D, l'axe passe par le milieu de C et D. Donc l'axe qui est ben, je vais vous dire à moins que, fait que la femme à moins que, hein, fait le chbarch à l'échelle, je vais vous dire maintenant, je vais vous dire le milieu de A et B, qu'on a dit le milieu de C et D, voilà, il va y avoir un mouchkin. Donc c'est femme, il a le milieu de A et B, moi je suis sur le milieu de C et D, donc l'axe, il y a et l'axe ou la droite passant par les deux milieux. Ben, remarque Seigne. F rend F égale à T de U. Oui, je fais F. Chodo F, comment chodo F? Ou am le composite, n'ahal S delta, ma S delta, avec l'identité, tant TU rend TU. Donc, la composée d'une symétrie glissante avec elle-même, t'as dit ma translation de vecteur de U. Elle dit B, F, t'as le même vecteur. Maintenant, il y a F de A égale B. Ou F de B égale C. Donc, vous aurez quoi?
vous aurez f rang f de a égale c. Voilà. With f rang f est la transition de vecteur de u. Je dois dire même que t de u de a égale c. Il dit que tu as la belle vecteur u que tu vas battre fait l'exemple. Bien. Donc, نقطة دي نطلعوا بها شنو نطلعوا بها الفيكتور لكن كيف كيف ما نتفائلوش برشا خاطر كي تحكي على الاف رون اف يلزمك اوتوماتيكمون عندك بوان يتعاود دونك اذا ما عندكش بوان يتعاود كيما الحالة هذه الاولى هنا دونك ما تعمل بها حتى شي رمارك هذيك باهي نمشيو للثالثة رمارك الثالثة باهي برشا اذا متوفر بالطبيعة خاطر ذيك تعطينا لاكس والفيكتور في نفس الوقت كيفاش؟ ار سي فوزافي ان بوان اي كي ابارتيان لاكس تعرف انه اي موجود على الاكس وعندك ليماج نتاع الاي هو جي دونك الفيكتور هو اي جي والاكس هو اي جي تو سامبلومون مي تقول كيفاش باش نعرف انو اي ابارتي على الاكس انت مثلا عندك اف دو اي يقال بي وي ميليو دو اي بي هو اي فوالا اذا اف دو اي يقال بي دونك لو ميليو دو اي بي حسب النقطه الاولى اي ابارتي على الاكس وبالصدفه عندك ليماج دو اي بالطبيعه ديما كيف ما تفعلوش برشا خاطر مش باش تلقاها ديما توفرت لك هذه الحكايه دونك كي تنشوف لي زيكزارسيس شنو باش نهرب نشوف دو زيكزارسيس ونشوف كيفاش باش نتعاملوا مع لي سيتواسيون دونك نبداو بالزيكزارسيس 1 بي ار اون ان تريونجل ايكويلاتيرال هذا ان تريونجل ايكويلاتيرال ا بي سي وناخذوا الاي لو ميليو دو اي بي و جي لو ميليو دو بي اي سي بريميرمون مونتري كيل اكزيست ان يونيك انتي ديبلاسمون اف tel que f de a égale à b et f de b égale c. Deuxièmement, montrer que cet antideplacement est une symétrie glissante, l'être caractériser f, pour le caractériser ou bien déterminer sa forme réduite. Donc c'est la même question. Trouver la forme réduite, c'est trouver les éléments caractéristiques. Ben, nous allons montrer qu'il existe un unique antideplacement, déplacement d'effet théorème. Alors, pour montrer qu'il existe un unique déplacement ou l'antideplacement qu'on voit a en b et b en c, toi les HD. Regardez là, qui envoie A en B et B en C. Donc, par exemple, toi, une distance initiale AB, tu sais, une distance finale BC, et la distance initiale AB est différente de 0. Avec théorème. Et la distance AB égale la distance BC ou AB est différent de 0, donc il existe un unique déplacement et, un unique antideplacement qui transforme A en B et B en C. Est-ce que la distance AB égale distance BC, oui, c'est un triangle équilatéral, et donc voilà, faites la clé. Donc il existe un unique antideplacement qui envoie A en B et B en C. Ben. Deuxième question. Alors maintenant, pourquoi F est une symétrie glissante? Ben. F c'est un antideplacement. Donc il y a même une symétrie orthogonale, donc F est une symétrie orthogonale, ou bien F est une symétrie glissante. F étant un antideplacement, puisqu'on y a une symétrie orthogonale, il y a une symétrie glissante. Mais on a طريقتين peut-être باش نجاوب بهم باش نوريو اللي هي ماهي السيمتري اورثوغونال الطريقه الاولى كيفاش قلنا قبيل شويه حكينا نقول كيفاش نفرقوا السيمتري اورثوغونال على السيمتري غليسونت واحنا عندنا لي زماج دو بوان بلي ميدياتريس دونك شنو نقولوا نقولوا كان جيت سيمتري اورثوغونال راهو لا ميدياتريس دو ا بي هي بي تكون لا ميدياتريس دو بي سي إذا كان جيت سيمتري اورتوغونال اس دلتا تولي اس دلتا دو ا يقال بي و اس دلتا دو بي يقال سي مادة دلتا هي لا ميدياتريس دو ا بي وفي نفس الوقت لا ميدياتريس دو بي سي يعني ميدياتريس دو ا بي يقال ميدياتريس دو بي سي بطبيعة سو كي امبوسيبل لا ميدياتريس دو ا بي ني با يقال ميدياتريس دو بي سي دونك سو ني با سيمتري اورتوغونال ولا الطريقة الثانية هذه الطريقة اللي قلت هذه الطريقة لا بلو جينيرال الطريقة الثانية هي الطريقة في حالة خاصة أنه عندك بوان يتعاود je vois que tu as f rang f de quoi de a il y a f de b il y a c donc f rang f de a il y a f de a il y a f de b il y a c mais bien il y a différent de a alors si f rang f de a n'est pas égal à a ce qui veut dire que f rang f mèche l'identité f rang f de a égale c donc f rang f mèche l'identité quand j'ai f symétrie orthogonale راي اس دلتا رون اس دلتا تعطيك ليدونتيتي دونك مادام اف رون اف ما تعطينيش ليدونتيتي سكو اف ني با اون سيمتري اورتوغونال دونك في كل حالات اف شوليت وليت اون سيمتري غليسونت بيان ماتنون اون فو كاركتيريزي سيت سيمتري غليسونت فوالا هنا كومون كاركتيريزي بار لي زيماج دو دو بوان مش كيما في الدرس اللي فات في ليزومتري بار لا كومبوزي هنا بلي زيماج دو بوان شنو نقول وقت
اول حاجه نقولوا اون بوز اف ايغال تي يو رون اس دلتا ايغال اس دلتا رون تي يو. نكتبوا سو فورم كوميتاتيف بور دير كو يو هو الفيكتور ودلتا هو لاكس. ولا نقولوا اف ايغال تي يو رون اس دلتا افيك يو ان فيكتور ديريكتور دو دلتا. باهي نستعملوا التيوريم اللي عندنا اللي كنا نقراوه فيه بكري. باهي شو عندنا؟ عندنا اف دو ا ايغال بي و اف دو بي ايغال سي. باهي شو قال لنا؟ النقطة الأولى نتاع التيوريم شنو يقبل هيك؟ قالت إذا عندك F regardez, إذا F دو M إيجال M بريم دونك لو ميليو دو M M بريم أبارتيان أ لاكس. باهي دونك إذا عندنا F دو A إيجال B إيش معناتها؟ معناتها لو ميليو دو A B لو ميليو دو A B اللي هو شنو؟ أوزو فيجور اللي هو I أبارتيان أ لاكس. باهي و F دو B إيجال C دونك لو ميليو دو B C اللي هو J أبارتيان أ لاكس. سي دونك لاكس هو شنو؟ هو لا دروات كي باس بار اي اي جي. دونك لاكس هو لا دروات اي جي. عاقلنا لاكس. باهي شو قاعد تو؟ عند الفيكتور الفيكتور استن فيه نقطة سين في تيوريم اللي هي اف رون اف ايغال تي دو او. نجموش نستعملوا اف رون اف تو نجم نستعملوا خاطر عندنا بوان يتعاود اللي هو البي. باهي مالا عندنا اف رون اف دو كوا قلنا قبل شوية اف رون اف دو ا هي اف دو بي ايغال C. Or, F rond F dans le cas d'une symétrie glissante est T de U. Mais, je vais aller là, F rond F de A égale C, je vais aller T de U de A égale C. Je vais mettre le vecteur de U égale le vecteur AC. Voilà, là je vais aller à l'école. Donc, le U est le vecteur 1 demi de AC. D'ailleurs, 1 demi de AC, quand je figure, je vais, là je me dis, regardez. Regardez le vecteur AC, d'après le théorème du milieu, AOI, AOJ, AOIJ. Donc, 1 demi de AC, ou tout simplement le vecteur IJ. Et voilà, donc, qu'est-ce que l'axe, qu'est-ce que le vecteur B. Donc, je répète, ça fait ça, je remets là. B. قلنا F رون F هي الترانزيسيون دو فيكتور دو U هذه القاعدة نتاعنا. أور F رون F دو A هي C دونك تولي T دو U دو A إيكال C دونك لو فيكتور دو U إيكال لو فيكتور AC دونك لو فيكتور U هو إن دومي دو AC إن دومي دو AC هي IJ. دونك فينالمون سيمتريك ليستونت نتاعنا سون أكس هو بين كملو تو بالإكسرسيس 2. Donc, soit f un anti-déplacement tel que f de a égale à b, f de i égale j. Donc, vous aurez là un carré a, b, c, d. I le milieu de a et b et j le milieu de b et c. Donc, soit f un anti-déplacement qui envoie a en b et i en j. Donc, quand je vais vous montrer qu'il existe, qui est macbile, donc directement, vous voyez que la distance a i hein, égale distance image b, j. Voilà. Pardon. Voilà. Ou distance initiale a i différente. De 0, donc il existe bien un antidéplacement unique qui envoie A en B et I en J. Ce L doit donner la forme réduite de F et donner les éléments caractéristiques de cette symétrie glissante. Mais, laissez-moi vous montrer la symétrie glissante de cet antidéplacement. Mais, pour cela, on va montrer d'abord que F est une symétrie glissante. On va la caractériser. Mais, alors, F étant un antidéplacement, donc il y a M qui m'a connu la symétrie orthogonale SD, ou elle est symétrie donc, glissante. Donc, il y a des choses à faire pour la symétrie orthogonale à la symétrie glissante. Bel médiatrice, donc, donc, si on suppose que F est une symétrie orthogonale, si F est une symétrie orthogonale, donc elle envoie A en B, elle envoie I en J. Ça veut dire que D est finalement la médiatrice de AB ou la médiatrice de IJ. Donc, quand j'ai une symétrie orthogonale, la médiatrice de AB est la médiatrice de I et J. Comme vous le voyez, c'est impossible. Donc, F n'est pas une symétrie orthogonale, d'où F est une symétrie glissante. Ben, alors, c'est une symétrie glissante. Maintenant, on va la caractériser. Alors on pose F égale TU rond S delta égale S delta rond TU qui m'a connu avec la forme réduite. Yannick, on pose U ou le vecteur ou delta ou l'axe. Alors pour la caractérisation, je n'attends de dire les images des points. Nous sommes le théorème interne.
باهي شكون لك التيرم تاعنا؟ التيرم لي واش قالك؟ قالك سي اف دو ا ايكال بي، عندنا اف دو ا ايكال بي، دونك لو ميليو دو اي بي ابارتيان ا لاكس، لو ميليو دو اي بي هو هنا هو شنو؟ هو اي ابارتيان ا لاكس، لاكس اللي هو دلتا، باهي هذا الريزولتا الاول. وعندنا زيد شنو؟ عندنا زيد اف دو اي égal J. F de I égale J, donc le milieu de IJ appartient à l'axe L. Donc un semi ou H, maintenant le milieu de IJ ou H. Donc l'axe passe par quoi? Passe par I et passe par H. Donc ou IH ou IJ. Donc l'axe qui naît. Je vais écrire encore plus, je vais écrire l'axe qui naît. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais le vecteur? Le vecteur, je vais écrire F rond F égale TU. C'est-à-dire qu'il y a le vecteur dans l'exercice de l'espace. Alors, هنا المشكلة نتاعنا شنو؟ هنا عندنا مشكلة سكو كوا؟ سكو ما عندناش ليماج دان بوان بار اف رون اف، ما عندناش ليماج دان بوان بار اف رون اف، هذه المشكلة. خاطر ما عندناش بوان تاعو ليماج دو ا ايكال بي وليماج دو اي ايكال جي، اللي منعنا في الاكزرسيس الاخر انه اف دو ا ايكال بي اي اف دو بي ايكال سي. دونك ما نعملوا بها حتى شيء هذي. باهي. دونك قلنا لاكس لكن ما قلناش الفيكتور. الطريقة هي شنو؟ نستنتجوا ليش؟ بك النقطة الثالثة، شكون النقطة الثالثة نتاع التيوريم؟ Donc, si vous avez un point I qui appartient à l'axe, ou le point I a l'image MTAO, l'image MTAO J par exemple. Donc, directement, l'axe est la droite IJ ou le vecteur est IJ. C'est exactement ce qu'on a là. Donc, si on a l'oule, il y a F de A égale B, je vais faire un chéri, F de A égale B. Donc, attendez, le milieu de IB, il y a I, appartient à l'axe. Voilà. Donc, je vais faire un chéri. Voilà, on a le point I appartient à l'axe. Ou on a l'image de I à J. Vous avez un point I qui appartient à l'axe. Ou on a l'image de I égale J. Donc, implique que directement, mais là, et delta est delta est I, J. Et le vecteur U, ou I, J. Et donc, F est la symétrie glissante de vecteur I, J et d'axe I, J. Voilà donc. Tout ce qui concerne donc déplacement ou l'outil déplacement, donc salam alaikum wa rahmatullah.